Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je fais comme les Hébreux, comme les Juifs. Je suis couvert comme les Juifs. Ben, on est Juif, on est circoncis de cœur, on est Juif de cœur. Quand on est chrétien, on devient amoureux aussi du peuple juif. Et on a de la compassion, même de l'admiration, de la joie à voir, à découvrir la culture, à découvrir l'intelligence de ce peuple. Et moi, ça m'arrive souvent de prier en étant couvert, bon, sur les épaules, mais des fois, je me surprends à me couvrir comme ça et à faire le juif. Voilà. Alors, ce soir, nous allons faire un enseignement sur une étude biblique sur le livre de Pierre. Donc, on va faire des commentaires en direct sur le merveilleux livre de Pierre. Voilà, je commence dans quelques instants. Voilà, c'est sûr qu'on les aime, les Juifs. Voilà, je vais boire juste un verre d'eau et je reviens. Ça s'est rafraîchi. Oh, ça s'est rafraîchi un petit peu. Je me couvre parce que ça s'est rafraîchi. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers frères. Bonsoir, chères sœurs. Alors, j'ai commencé le live en étant, voilà, avec ma version hébreu. Voilà, ça, c'était ma version hébreu parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le peuple juif. Et je m'imagine souvent Jésus qui était couvert comme ça et qui avait ces belles tenues, ces belles robes. Alors donc voilà. Alors donc ce soir au menu en entrée en hors d'œuvre la Bible, en plat de résistance l'épître de Pierre. Et en dessert, la merveilleuse parole de Dieu. Voilà, donc en fait, il y a quelque temps, on avait commencé à lire ensemble, à faire quelques commentaires sur l'épître de Pierre. On avait vu les premiers versets. Et donc ici, je voudrais profiter de ce moment, d'un moment avec vous, pour
se faire plaisir, faire un banquet autour de la parole de Dieu, en fait, prendre le temps de lire ensemble la parole de Dieu et de réfléchir et d'en retirer des perles pour notre foi, pour que nos foi, en passant du temps ensemble, nos foi viennent à se réchauffer, mais viennent aussi se multiplier, se fortifier. Parce que comme diront les apôtres, c'est au contact les uns des autres que nos foi sont fortifiées, nos foi sont dynamisées lorsqu'on est on entre en contact avec un frère, avec une sœur. Et moi, c'est vrai que quand je discute avec un frère, une sœur qui est passionnée de Jésus, qui raconte son témoignage, qui raconte ses expériences, eh bien, ça me fait du bien et ça me booste, comme on dit, ça me fortifie, ça me fait du bien. Donc, le temps que nous passons ensemble, eh bien, c'est un temps qui nous fait du bien, qui nous console, qui nous encourage. Et voilà. Et donc, oui, bonsoir Joël. Donc, à bientôt alors, à tout à l'heure. Donc, alors, je vais prier Père éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu merveilleux, Dieu d'amour, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Merci pour ta famille, merci pour tes enfants, merci pour ta merveilleuse parole, merci pour ces témoignages de ces hommes que tu as choisis pour porter ta parole. Et merci pour l'esprit aujourd'hui que tu nous donnes, Père, que tu fais habiter en nous et tu nous donnes la révélation de ta parole. Merci Père de remplir ma bouche, de diriger nos cœurs, de bien disposer nos cœurs, nos oreilles, pour bien mémoriser, bien assimiler et bien être à l'écoute, réceptif de ce que tu veux dire et de faire du bien Père à tes enfants. Merci mon Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit béni. Dieu merveilleux, je t'aime dans le nom de Jésus. Amen. Donc, alors, je vais baisser un petit peu la musique. Voilà. Alors, dans cette étude, on va avoir tout un tas de perles précieuses. Alors, je vais m'enregistrer juste pour YouTube, je vais m'enregistrer le live aussi. Pour YouTube, hop là. Voilà. Alors, on va démarrer. Alors, on va démarrer dans alors, la seconde épître de Pierre. La seconde épître de Pierre. C'est pourquoi, alors on va prendre le verset 10. C'est pourquoi, mes frères, étudiez-vous plutôt à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. Car par ce moyen, l'entrée au royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera abondamment donné. Alors, on voit ici que Pierre dira, étudiez-vous plutôt à affermir votre vocation. Alors, il dira plutôt, parce qu'avant, dans le verset 9, il disait que si on manque de telle ou telle chose, en tant qu'enfant de Dieu, on est aveugle. Et l'apôtre Pierre dira, plutôt que d'être aveugle, plutôt que d'oublier ce que Jésus a fait par son sang précieux, mais plutôt qu'être aveugle, soyez de ceux qui voient, de ceux qui profitent de l'héritage des enfants de Dieu, qui profitent de la grâce de Dieu. Donc, étudiez-vous plutôt à affermir votre vocation et votre élection.
En fait, il y a la vocation. Une vocation, c'est un appel. La vocation, c'est quelque chose qui est depuis toujours, d'éternité. Ça fait partie de la prédestination aussi. C'est, on a été voué, on a été choisi par Dieu. C'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisi. Et nous aussi, nous avons accepté son amour, mais il y a une vocation. Une vocation, c'est un peu comme vous avez des infirmières qui sont infirmières, non pas parce qu'elles ont été contraintes, mais parce qu'elles avaient tellement envie de faire du bien aux gens, ou comme ces médecins qui voulaient guérir, soigner les gens, ils voulaient tellement être médecins qu'ils ont voulu que ce soit leur métier. Ils ont décidé depuis qu'ils étaient enfants qu'ils seraient médecins. Ou alors, c'est quelque chose qu'ils désiraient ardemment. Ou c'est comme un jeune homme, parce que son papa était dans la politique, ce jeune homme a rêvé un jour d'être président. Il a tout fait, tout fait, tout fait pour faire de la politique, pour faire des grandes écoles, pour être un énarque, pour être un homme intelligent, très cultivé, un érudit, et qui a fini par, à force de persévérance, de devenir un homme politique ou un ministre, ou un président, un président. Nous, on a la vocation, on a cette vocation d'être enfant de Dieu, qui est un don céleste. Et justement, nous aussi, nous sommes des ministres. C'est marrant que je dise ça, parce que nous aussi, dans cette vocation, nous sommes appelés à être également des ministres et même des ambassadeurs, des représentants d'un territoire, d'un peuple, d'un pays, des représentants d'un royaume. Donc, nous sommes dans une vocation. Donc, c'est vraiment un ministère, une vocation, c'est vraiment un exercice, une fonction. On a vraiment une fonction en tant qu'enfant de Dieu. Alors, on n'est pas simplement, c'est pas être chrétien de façon passive. Il y a vraiment une fonction. La vocation, c'est vraiment comprendre qu'être chrétien, c'est être dans une activité. C'est pas quelque chose, une alternative. Hein. Être chrétien, c'est du matin jusqu'au soir, et c'est de jour en jour, chaque jour, c'est une identité. C'est vraiment une identité à part entière. Et surtout, ben, la vocation d'un royaume et avec un Dieu saint, avec un Dieu saint. Donc, on a vraiment, en tant que ceux qui sont de la vocation, en tant que ceux qui sont de la vocation, ben, Dieu nous demande, nous dit de nous affermir dans cette vocation. Donc, c'est de non pas de se refroidir, mais de grandir, d'aller d'étape en étape dans une croissance et d'affermir tout ça, d'affermir tout ça. Pas de laisser se démolir ou se démembrer, ne pas perdre la force, ne pas perdre l'autorité, mais au contraire, aller de force en force, d'autorité en autorité, de sainteté en sainteté, et d'amour de Dieu en amour de Dieu, d'amour du prochain en amour du prochain, d'évangélisation en évangélisation, de gloire en gloire. Affirmer votre vocation et votre élection. Donc ça, c'est excellent parce que on voit qu'il y a les appelés et il y a les élus. Et l'élection, c'est quelque chose de être élu par Dieu, sachant qu'il y a tellement de gens qui ne sont pas élus, qui ne sont pas appelés. Mais nous, on a vraiment ce privilège d'être élu, une élection. Et bien là aussi, on revient au principe par exemple, dans la politique. Il y a les élections politiques, il y a des élections, donc c'est des hommes qui sont sélectionnés pour des hautes fonctions. Et nous, on est sélectionnés, une élection, ça veut dire c'est on est appelé à avoir une haute fonction, à avoir un service dans une dignité
toute particulière. Une élection, ça nous mène à une stature particulière. Donc nous sommes tous appelés quelque part à régner, à faire régner la justice, à faire régner la morale, à faire régner les vertus, à faire régner les choses pures qui peuvent aider notre pays, qui peuvent aider notre nation, qui peuvent aider notre famille, qui peuvent aider nos proches, les lieux où on habite, et être non pas une malédiction pour les autres, mais être une bénédiction au travers de cette vocation et de cette élection. Donc c'est là où on voit que ça fait partie de la bénédiction. On le voit dans le livre, dans l'Ancien Testament. Nous sommes appelés à être à la tête et non pas à la queue. Et on voit bien que quand on est de l'élection et de la vocation, on n'est pas à la queue, on est à la tête. Et on est appelé à être ces lumières, donc ces lumières pour les hommes, et être une lumière, donc c'est forcément être au-dessus, un peu comme les aigles sont au-dessus, pour éclairer, pour être au-dessus, au-dessus, au-dessus des problèmes, au-dessus des situations, et pour finalement contempler la victoire de Jésus dans nos vies par la foi, être au-dessus des problèmes, c'est-à-dire c'est savoir qu'il y a des problèmes, mais que nous les avons déjà vaincus parce que Jésus a déjà dit, j'ai tout vaincu. Donc si Jésus qui est en nous a déjà vaincu, en fait nous, nous avons vaincu aussi. C'est-à-dire même lorsque les problèmes, les situations, les tempêtes, les choses se passent, nous, nous sommes déjà des aiglons. Notre Dieu, il est l'aigle. Nous, nous sommes les aiglons, nous sommes au-dessus des situations. Et en fait, on n'a même pas à combattre parce qu'en réalité, on est assis, vainqueurs dans les lieux célestes. Nous sommes des aigles au-dessus de toutes nos montagnes. Et en réalité, nous attendons juste que les choses s'écroulent devant nous, que les choses s'abaissent, soient aplanies devant nous pour que nous puissions continuer notre marche. Et en gros, la victoire est là. La victoire est là. Nous, c'est vrai que bon, nous avons notre discipline, les exercices de la vie spirituelle qui sont là pour notre bien. Mais en réalité, dans la mesure où on fait ce que Dieu nous demande, mais nous avons forcément l'excellence de la victoire. Ça, c'est vraiment super, super enthousiasmant. D'avoir un Dieu si merveilleux, si fort, si puissant, et d'être vraiment, d'avoir la victoire sur sur les situations les plus difficiles, dans la patience, dans l'amour, dans la persévérance, par la grâce de Dieu, par la foi, eh bien, nous sommes vainqueurs, vainqueurs des maladies, vainqueurs des problèmes, vainqueurs des malheurs, vainqueurs des famines, nous sommes vainqueurs des crises financières, nous sommes vainqueurs du chômage, nous sommes vainqueurs de tout en Dieu. En Dieu, nous avons toutes les victoires. Pour autant que nous ayons une foi qui soit toujours affermie, qui soit toujours forte, 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 et toujours nourrie, nourrie, alimentée par la prédication, alimentée par la prière et par la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Donc tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Car par ce moyen, l'entrée au royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera abondamment donné. Donc, quand nous jouons notre rôle en tant que inscrit, en étant participant dans notre vocation, dans notre élection, en étant activement participant, Dieu dit que nous entrons largement, facilement dans le royaume de Dieu. L'entrée dans le royaume de Dieu nous sera abondamment donnée. C'est pourquoi je ne serai point paresseux à vous faire toujours souvenir de ces choses. Donc,
Là, il parle de paresse parce que c'est un des trucs indispensables qu'on voit que c'est dans le domaine spirituel, dans le domaine physique. Il n'y a pas de place à la paresse. Pour qui veut être efficace, pour qui veut être efficace et pour qui veut être un champion de la vie spirituelle, eh bien, c'est comme ceux qui veulent être super musclés et qui veulent gagner des concours ou qui veulent faire des championnats ouais, je sais pas, des championnats des compétitions de sport. Eh bien, là où il y a la paresse, il n'y a pas de résultat. Là où il n'y a pas de lutte, de résistance, de course efficace, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de pole position. Et c'est pareil pour on se rend compte que c'est pareil aussi pour la vie spirituelle. Si on veut être un bodybuildé, un super costaud, dans la vie chrétienne, eh bien, ça passe aussi par des sacrifices et ça passe par des engagements, par des objectifs bien précis. Sans objectifs bien précis pour avoir des résultats spirituels, si ce n'est par exemple se dire, eh ben, je veux qu'en 2018, j'amène 100 personnes à Jésus-Christ, eh bien, je crois que là aussi, il faut qu'on se donne des objectifs très précis pour atteindre des objectifs précis. Tout comme le sportif dit, bon, ben, moi, je veux avoir la médaille d'argent. Je vais avoir la médaille d'argent pour 2018 en natation. Je vais m'entraîner 6 heures par jour. Bon, il se donne ses objectifs précis et il veut précisément une médaille d'argent, voilà. Mais il a des objectifs précis et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, ça serait très très bon que chacun puisse avoir des objectifs et de dire pour mon Dieu, voilà, je veux faire ça, je veux m'équiper, je veux faire le nécessaire, faire telles économies pour acheter tant de Bibles, faire telle épargne pour envoyer tant aux orphelinats en Inde, en Chine. En fait, on devrait chacun, tout comme on est capable de le faire pour planifier nos voyages d'été, nos vacances d'été ou les vacances, voilà, on devrait aussi pouvoir planifier nos objectifs pour que notre course ait des buts bien précis. Parce que s'il n'y a pas de vision, ben, Dieu dit que le peuple périt parce que ben, il s'endort dans le désert. Mais nous, notre vocation, comme je disais, notre élection, elle est là pour régner. Non, Marc, non, j'étais pas en direct. Bonsoir à tous, bonsoir Brigitte, pardon, je n'ai pas vous dit bonsoir, bonsoir Sonia, bonsoir Marc. Non, Marc, je n'étais pas sur ton direct, mais à croire que le Saint-Esprit ne perd pas le fil, le Saint-Esprit ne perd pas le fil, et lui, il sait ce que toi t'as dit, mais tu vois, même moi, si je ne le sais pas, et lui, il le sait. Mais ça me rappelle un jour, quand j'étais en Afrique, l'été dernier, il y a une famille qui a voulu que j'enseigne dans leur maison, qu'on fasse une église de maison, et ils ont insisté pour que j'enseigne. Alors j'ai prié Dieu qui me donne l'enseignement, et Dieu m'a donné le même enseignement qu'il avait donné à cette famille il y a 2 jours avant. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais terminé l'enseignement, la famille m'a dit, les mamans m'ont dit, ben c'est le même sujet que le pasteur nous a donné mardi, ou je sais plus c'était mardi, c'est le même sujet que le pasteur nous a donné et que toi tu nous as redonné avec une façon différente, mais c'est le même sujet. Et en fait, comme ces dames n'avaient pas pris l'initiative de s'engager, elles avaient reçu le message, mais elles l'avaient pas mis en pratique. Eh bien, Dieu avait trouvé bon de redonner le message aux sœurs pour qu'elles tiennent compte du message important que Dieu voulait leur adresser. Donc, en fait, le fait de donner 2 fois le message, c'était pour insister pour qu'elles cessent d'écouter sans pratiquer, mais qu'elles viennent par mettre en pratique ce qu'elles avaient
écouter et réécouter. Donc, voilà, Dieu insiste, Dieu répète pour qu'en fait, on se dise, mais bon, voilà, tu entends, tu re-entends, mais maintenant, il s'agirait que tu fasses ce qui m'est agréable. Donc, en fait, mon frère Marc, je n'ai pas écouté de direct, je suis peut-être passé, mais sans faire exprès ou. Mais des fois, ça m'arrive de tomber sur un truc et je passe comme ça, mais sans avoir écouté. Donc en fait, on lisait, voilà, l'entrée nous sera largement donnée. Donc, et on parlait de la paresse. C'est pourquoi je ne serai point paresseux à vous faire toujours souvenir de ces choses. Et moi, c'est pour ça que je parlais des buts. Donc, pas de paresse. On voit bien, il n'y a pas de paresse dans un spirituel zélé, ben, comme Pierre, comme tous ces grands hommes de Dieu. Il n'y a pas de paresse. Et c'est pour ça que moi, je rebondissais sur l'idée des sujets, des objectifs, des buts précis, des buts déjà précis et pour ben, pour éviter de tomber dans la torpeur, le sommeil, la comme on dit aussi voilà dans le quand on fait rien, comment ça s'appelle? Je perds le mot. Dans le manque d'action en fait, mais je sais pas le mot qui me revient ce soir. Donc c'est pourquoi je ne serai point paresseux à vous faire toujours souvenir de ces choses, quoique vous ayez de la connaissance et que vous soyez fondés en la vérité présente. Donc il parle de la connaissance qu'ils ont, parce que Pierre et les apôtres enseignaient les enfants de Dieu. La connaissance est là. Chacun est enseigné, chacun est nourri de la parole de Dieu, chacun participe à la lecture, chacun participe à l'édification, à la connaissance des doctrines. Alors c'est, oui, c'était pas la fainéantise, c'était ouais, c'est les ouais, c'est le c'est un peu la torpeur, il y a la torpeur, il y a alors attends. Synonyme de paresse, synonyme paresse, indolence, torpeur, mollesse, assoupissement. Inaction, apathie, torpeur, paresse, langueur, indolence, oisiveté. Ah, c'est la oisiveté. Voilà, c'est être oisif, c'est être stérile. Voilà. En fait, c'est des mots qu'on retrouve dans la Bible. En fait, ne pas tomber dans la fainéantise, dans la torpeur, comme un sommeil de paresse, hein, c'est ou comme l'oisiveté. Et la stérilité, c'est comme, en fait, c'est comme quand on fait rien. Être stérile, c'est comme quand il n'y a pas de résultat. On fait rien, il n'y a pas de résultat. Et stérilité aussi, c'est un rapport à l'arbre qui ne fait pas de fruits. Mais un arbre qui fait du fruit, lui, il est bien tout le contraire de la stérilité. Quand on fait du fruit, eh bien, on porte du fruit, on est productif. Et il n'y a rien de tel, de pire que d'être dans la paresse, dans cette torpeur, et de ne pas porter de fruits pour Dieu. Ça, c'est vraiment un problème. Ça, c'est vraiment un problème. Alors, moi, je sais que je prie souvent que Dieu me dirige, qui est pour me délivrer de toute paresse, que je sois actif, que je sois vaillant, que je sois courageux. Et moi aussi, la foutise, la foutise. Ou la foutaise. La foutaise, c'est quand on s'en fiche. La foutise, c'est presque comme la foutaise. Et donc, c'est quand on s'en fiche. Hein, voilà. Mais moi, je sais que je vraiment, je prie que Dieu m'enlève toute somnolence, toute paresse.
parce que je veux pas ça, je veux porter du fruit. Ça, c'est vraiment important. Porter du fruit, aller dehors, confesser Jésus, offrir, témoigner. Voilà, ce matin, j'ai un monsieur, il est venu pour me proposer une formation dans le cadre d'activités. En fait, on cotise pour des formations chaque année, en étant salarié ou en étant entrepreneur. Et en fait, ben, je disais que voilà, je suis chrétien, je suis croyant. Et voilà, bon, ça c'était rien. Là, j'ai pas vraiment témoigné, mais pour moi, c'est vraiment important de témoigner ma foi un jour ou l'autre quand je rencontre les gens. C'est tellement important. C'est tellement important de dire de quel royaume on est, à qui on appartient, quel est notre papa, quel est notre Dieu. Ça, c'est vraiment très important. Et en fait, dans la mesure où vous témoignez, vous portez du fruit. Parce que vous êtes en train de semer dans le cœur des autres. Parce que quand vous dites à quelqu'un que vous êtes croyant, ben, lui qui est peut-être agnostique ou athée, ça le touche. Il dit, ah, lui, bon, il n'a pas l'air paumé, il n'a pas l'air bête, il est croyant, donc c'est pas un illuminé, c'est pas, bon, il a l'air d'être actif, il a l'air d'être sérieux, il est croyant. Bon, ben, finalement, donc ils doivent se dire, ah ben on peut être croyant, être sérieux, on peut être croyant en étant, voilà, avoir un métier sérieux, on peut... Donc ça les aide à s'ouvrir, quand on sème quelque chose, ça aide le monde à s'ouvrir à la foi, à la foi. Car je crois qu'il est juste que je vous réveille par des avertissements. Ah, vous voyez, c'est intéressant, hein? Comment Pierre enseigne pour réveiller. Je vous enseigne pour vous réveiller par des avertissements. Donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'il criait, mais ça veut dire qu'il disait des choses tellement forte, tellement importante, et puis il le disait surtout avec l'Esprit Saint, accompagné de puissance, de force, d'autorité, puisque si Jésus a eu l'autorité, ses disciples aussi ont l'autorité, et Pierre a parlé d'une façon avec les apôtres que il était là pour réveiller avec ses avertissements, autant par ses écrits qu'autant par sa façon d'être sur lorsqu'il était en leur présence. Il devait être là comme quelqu'un qui réveille, pas en criant dans tous les sens, mais réveillé par son message, il réveillé par ce qu'il disait précisément, par les conseils qu'il donnait, par la clarté du message, par l'intégrité de son message, et puis l'intégrité de sa vie. Lui, il est le porteur aussi en tant que vase d'élection. Il devait être, voilà, il était conduit par le Saint-Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu, pour donner le message juste, avec clarté, avec force, avec puissance, pour que les cœurs soient touchés, saisis, et que les vies soient transformées tout simplement au contact de Pierre. Le but était que les vies soient transformées et que la foi soit affermie et que les personnes soient bien ancrées, solides, pour que quand le diable se présente, que la tempête, lorsque la tempête se déchaîne, eux, ils puissent rester fermes dans la foi. Et ça, c'était vraiment le rôle de l'apôtre Pierre, car je crois qu'il est juste que je vous réveille par des avertissements, tandis que je suis dans cette tente. Et la tente, on sait que c'est le corps dans lequel il est. Et en fait, il parle pas d'une maison, mais il parle d'une tente, parce qu'une tente, c'est quelque chose qui se range, qui se plie, qui s'abandonne. Et qui s'abandonne dans le désert, ou qu'on range dans un sur
sur un cheval ou sur un âne qu'on peut plier, alors qu'une maison, elle ne peut pas la plier. Donc, Pierre compare son corps à une tente, parce que le corps, c'est un habitat passager. C'est un habitat passager, et sachant que ce corps n'est qu'un habitat temporaire pour revêtir un autre habitat. Donc, on a le corps, mais après, on aura un autre corps. On aura le corps de la résurrection et on sera pareil à des anges. Et là, cet habitat sera un habitat éternel et ça va être beau. Ouh, là, ça va être beau. Hein. Et puis là, il n'y aura pas de vieillissement. Ce sera intemporel. Ce sera éternel. Dieu va donner un corps à ses enfants de Dieu, à ceux qui auront aimé Dieu, va leur donner un corps extraordinaire, un corps qui ne s'usera pas, qui ne se flétrira pas, qui ne vieillira pas, un corps qui sera toujours, toujours extraordinairement beau. Il n'y aura pas des boutons, il n'y aura pas des imperfections, il n'y aura pas des choses bizarres, des choses qui viennent se coller sur le corps. Ce sera des corps glorieux, extraordinaires. Donc, Pierre, il dit bien que son corps, là, c'est une tente. Il a la conscience qu'il n'est pas éternel, il a la conscience que son corps se dégrade, il a la conscience que ce corps, finalement, il est pas si solide que ça, alors que d'autres hommes qui n'ont pas Dieu dans leur vie pensent que leur corps, il est super solide, ils croient qu'avec leur force, ils vont pouvoir être résistants, qu'ils vont pouvoir faire tout un tas de cascades, faire tout un tas de musculations pour résister à la tempête, résister aux épreuves de la vie, mais alors que un enfant de Dieu peut savoir aussi que on peut disparaître, on peut retourner à la poussière, on a cette humilité devant Dieu de savoir que finalement, si Dieu ne nous réserve pas, ne nous garde pas dans sa force, ben finalement, on n'est que faiblesse. Mais c'est Dieu qui nous fait comprendre qu'il y a cette faiblesse. C'est avec Dieu qu'on réalise finalement qu'on est peu de choses, mais qu'au fond, tout compte fait, avec Dieu, on est beaucoup de choses. Pour lui, on a beaucoup de valeur. Et finalement, on est fort aussi. Avec la force de Dieu, on est fort, on est capable de choses extraordinaires et même de faire plus que ce que peuvent faire les hommes ordinaires, puisque nous sommes des hommes extraordinaires avec la puissance de Dieu. Le tout, c'est aussi sur la base des principes de la foi, sur la base des révélations des choses de Dieu, qu'on peut accéder à de l'excellence dans des domaines, on peut être très fort intellectuellement, on peut être très fort physiquement, on peut être à la tête de grandes, grandes choses, mais à la mesure de notre foi, à la mesure de la révélation et à la mesure de notre fidélité aussi et de notre intégrité vis-à-vis de Dieu. Mais on est appelé vraiment à vivre, à voir des grandes choses. Les hommes de Dieu du passé ont vécu des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires, des expériences fabuleuses. Et ça, c'est pas fini. S'il y a des choses qu'on voit pas, c'est pas la faute à l'autre. Souvent, c'est parce que c'est à nous de nous engager. C'est à chacun de s'engager avec Dieu pour que s'envoler comme des aigles, même si les autres restent en bas avec les moutons, avec les cochons, avec les chèvres, c'est à nous de nous envoler parce que nous sommes des enfants de l'aigle, de Dieu qui est l'aigle, nous sommes des aiglons, et c'est à nous de nous envoler et de saisir toutes ces choses et de faire tout ce qui est à faire pour pouvoir voir cette gloire de Dieu ici-bas, et manifester le royaume de Dieu. Et puis, au final, le but, c'est de gagner des âmes avec des objectifs précis, bien clairs, se donner des objectifs clairs, comme font les coureurs qui disent « Je veux gagner une médaille d'argent pour 2018
en décembre 2018 au JO, au tel, à telle épreuve de sport. Et c'est à nous aussi qu'on, nous aussi, on doit, il faut qu'on en arrive là à se donner des objectifs précis en disant, voilà ce que je veux pour Dieu, voilà ce que je veux faire pour Dieu pour 2018, pour le second trimestre, pour le troisième trimestre, pour le quatrième trimestre. Voilà ce que je veux faire pour toi, mon Dieu. Donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi l'audace d'accomplir ces choses-là. Aide-moi à faire croître cette église, à ce que les âmes soient attirées, que je puisse prêcher la sainte parole, que je puisse recevoir ces brebis, les nourrir, prendre soin de leurs âmes et puis évangéliser pour les amener dans cette église, pour voilà, former des disciples aussi, les gens qui sont, enfin, les chrétiens, les enfants de Dieu qui sont là, déjà, les former, leur donner une mission précise. Parce que souvent, on croit que chacun va devoir, comment dire, de lui-même dire, tiens, moi, je voudrais faire ci ou je voudrais faire ça. Mais je pense que c'est important aussi de pouvoir attribuer un rôle à chacun. Et à mener son église comme un bataillon, comme une armée, comme faisait William Booth à l'armée du salut, mais il donnait une fonction. Il avait des bonhommes et il faut donner une fonction à chacun. À l'armée, c'est pas le capitaine qui a dit je veux être capitaine. C'est les colonels, les lieutenants, enfin voilà, les supérieurs qui ont dit, ben, toi tu seras caporal, toi tu seras caporal, toi tu seras caporal, toi tu seras première classe, toi tu seras sergent-chef, toi tu seras sergent. Et là, après, c'est au leader de dire, ben, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, toi tu vas aller évangéliser dans tel quartier, toi tu vas aller évangéliser dans tel quartier. Et comme ça, eh bien, gagner des âmes, et avec des objectifs précis, nous aurons des résultats précis. Et c'est là où Dieu dit, sans la vision, le peuple périt, sans des objectifs précis, sans des buts précis, en sachant vraiment ce qu'on veut, sans ça, on n'a pas de résultat. Mais quand on a ça, qu'on y médite, qu'on réfléchit à la stratégie, qu'on réfléchit aux actions qu'on va poser pour avoir tel et tel résultat, les résultats vont être là. Donc moi, c'est pareil, c'est ça que je dois mettre en place. C'est ça que je dois mettre en place. Il n'y a pas de raison qu'en faisant comme ça, il n'y ait pas de résultat. Il n'y a pas de raison qu'en faisant comme ça, des âmes ne se donnent pas à Jésus dans la rue. C'est pas possible que ça n'arrive pas. C'est pas possible qu'on ne puisse pas étendre le royaume de Dieu et convaincre et toucher les âmes. Et c'est là où Dieu va se réjouir et c'est là où Dieu va faire prospérer nos et exaucer nos désirs, exaucer nos rêves. Voilà. Donc nous réveiller par des avertissements. Tandis que je suis dans cette tente, donc on a parlé de la tente, sachant que dans peu de temps, je dois en déloger. Donc son corps, c'était comme Pierre, il parlait de son corps comme une tente, comme un habitat, un appartement, et il va déloger d'un appartement pour aller loger dans un autre appartement, et là, c'est un appartement éternel, dans les lieux élevés. Comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a déclaré, donc Pierre dira que ben, il a été averti par Jésus qu'il allait quitter ce monde. Donc on voit bien l'intimité que Jésus avait avec chacun, que Jésus avait avec chacun de ses disciples. On voit que Pierre, il avait une intimité avec Jésus. Jésus lui parlait, Jésus lui disait, ben voilà, tu vas bientôt partir, c'est bientôt la fin de ton temps sur terre. Et tu vas bientôt quitter cette tente et tu vas venir habiter dans une tente éternelle.
Et Pierre le savait, Pierre se réjouissait, il disait aux autres, ben, moi je vais bientôt partir, je m'en vais bientôt, je vais laisser cette tente s'affaisser au sol, comme ces tentes qu'on laisse dans le désert sec, aride. Je laisse cette tente toute assez, desséchée, et moi je vais aller dans une tente qui elle, elle sera toute belle, il n'y aura pas de il n'y aura pas de, il n'y aura pas de, comment dire, de soucis dans cette tente. Elle sera parfaite, elle sera bien tendue, elle sera bien spacieuse, elle sera bien forte, elle sera bien solide. Elle résistera au temps, elle résistera aux intempéries. Ce sera une demeure éternelle et ça sera encore, surtout, semblable à ceux des anges. Et il y aura perfection, il n'y aura pas de bouton, il n'y aura pas de problème de rasage, il n'y aura pas de problème de coupe de cheveux. Donc, ça sera vraiment extraordinaire. Et Pierre savait qu'il allait partir. Il était averti. Voilà, bientôt des anges vont venir te chercher et ils vont t'amener dans les cieux, Pierre. Et Jésus, il avertit ses prophètes, Jésus avertit ses apôtres de ce qui vont être enlevés. Tout comme l'apôtre Paul a certainement aussi été averti de son départ, eh bien l'apôtre Pierre a été averti avant de partir. Ben, mon fils Pierre, je vais bientôt te prendre et t'amener avec moi dans le ciel. Et Jésus devait être heureux parce que Pierre dira qu'il a vu Jésus de ses yeux vus. Pierre, il a vu Jésus. Pierre, il est de ceux qui a vu Jésus, il est le témoin oculaire, comme on dira chez les inspecteurs de police ou dans les films policiers, pour voir si on a vu le témoin, est-ce qu'on a vu la scène, est-ce qu'on a vu vraiment, est-ce qu'on a des pièces, est-ce qu'on a identifié les coupables. Et l'apôtre Pierre pouvait dire, ben, moi j'ai vu Jésus, je sais comment il était habillé, je sais comment il était rasé, je sais comment sa posture, sa façon de marcher, je sais les yeux qu'il a, je sais la taille qu'il fait, est-ce qu'il faisait 1,75 m, 1,85 m ou 1,90 m. Pierre, il le savait, il connaissait les chaussures ou les sandales qu'il avait, et il connaissait, voilà, il connaissait s'il était musclé, moins musclé, s'il était très musclé, très costaud, s'il était un peu bronzé ou les yeux clairs. L'apôtre Pierre savait tout. Et d'ailleurs, il le dira. Il dira un peu plus loin. Car nous ne vous avons point donné à connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ en suivant des fables artificieusement composées, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Waouh! Donc, Pierre a vu la majesté de ses propres yeux. Pierre a vu la majesté de ses propres yeux. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau, parce que Jésus, c'est l'homme le plus beau. Jésus, c'est l'homme le plus extraordinaire qu'on pouvait voir. S'il y a une personne qu'on devait voir dans toutes les années, les centaines, les siècles qui ont passé, la personne qu'on aurait dû voir, qu'on aurait souhaité voir, la plus, je veux dire, la plus populaire, la plus connue, celle qu'on aurait, s'il n'y en a qu'une qu'on aurait désiré voir, c'est Jésus. S'il y a une seule personne qu'on aurait aimé voir, si on aurait voulu aller à un séminaire, si on aurait voulu prendre un rendez-vous, faire un voyage, mais la seule chose à faire, ça aurait été d'aller là-bas pendant les 3 ans du ministère de Jésus et d'aller voir Jésus en train de faire son ministère avec des guérisons et tout ça. Et c'était là. Il y a 2000 ans, c'était la personne à voir. Et voir Jésus, c'était ça, c'est la chose la plus extraordinaire au monde que peu importe d'avoir vu. Enfin, si, c'est peut-être très bien d'avoir vu Nelson Mandela, d'avoir vu John Fitzgerald Kennedy, d'avoir vu Martin Luther King, mais d'avoir vu Jésus,
Ça, c'est la chose la plus extraordinaire qui ait pu arriver à un homme, mais que l'homme puisse dire, moi, j'ai vu Jésus de mes yeux, j'ai vu sa majesté de mes propres yeux. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est une grâce extraordinaire qu'ils ont eue, ces hommes-là. Et Jésus dira, vous êtes bienheureux aussi d'avoir entendu ce que vous avez entendu, car beaucoup auraient voulu l'entendre, mais non seulement ils ont vu le Fils de Dieu, mais ils ont pu entendre toutes ces choses avec sa voix merveilleuse à Jésus, avec le timbre de sa voix, avec son autorité excellente. Tout ça, ces hommes ont vu tout ça. Et en plus, ils ont eu le privilège d'avoir les yeux qui s'ouvrent, d'avoir les yeux du cœur disposés. Donc, c'est les hommes qui ont été le plus bénis de la terre, sur toute la terre. Ça a été les hommes les plus bénis. Après, il y a eu aussi avant Adam qui a été extrêmement béni avec Ève dans le jardin d'Éden. Mais là, ils ont vu le Fils de Dieu. Là, ils ont vu le Fils de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir vu Jésus, d'avoir entendu, d'avoir eu le timbre de sa voix. Et le timbre de la voix de Jésus, ça devait être quelque chose, hein? Le timbre de la voix de Jésus, ça devait être waouh! La belle voix de Jésus, la virilité de Jésus, l'autorité de Jésus, la puissance de Jésus, la douceur de Jésus, ça devait être tellement, tellement, tellement extraordinaire. Le Dieu homme sur terre, ça devait être extraordinaire. Et moi, de penser à ça me fait du bien. De penser à Jésus, c'est dans cette force, dans cette sagesse, dans cette intelligence venue sur terre, dans cet abaissement, dans cette humilité. D'avoir, il a vu, Pierre a vu Jésus. Et après, il a entendu, il dit qu'il a entendu la voix de Dieu, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand une telle voix lui fut adressée, une voix lui fut adressée du milieu de la gloire magnifique, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. Et là, c'est la voix du Père, hein. L'ancien des âges, la majesté divine. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. Ça, c'est trop fort. Ça, c'est trop fort. Il a vu Jésus. Et là, ils ont entendu la voix de Dieu. Ça, c'est excellent. Imaginez le trouble à voir le Fils de Dieu ici-bas sur terre et à voir le Père qui parle dans les cieux. Ça a dû complètement les déstabiliser. Ça a dû être complètement extraordinaire pour ces hommes de foi. Ça devait être le but de leur vie. Ça devait être un accomplissement extraordinaire pour dans leur existence. Donc ça, c'est vraiment merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Et nous entendîmes cette voix émaner du ciel, étant avec lui, donc ils étaient avec Jésus, Pierre était avec Jésus, sur la sainte montagne. Donc voilà le bien qu'on peut se faire en lisant ensemble l'épître de Pierre. Voilà comment on peut se faire du bien, comment on peut dynamiser notre amour, notre passion pour Dieu, notre amour pour Jésus, et nous faire du bien au contact les uns des autres, en méditant, en dévorant ces trésors que Dieu nous donne dans sa parole par son Esprit Saint. Voilà, chers frères, chères sœurs, eh bien écoutez, je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec vous. Ben moi, le premier, je suis au bénéfice de ces instants parce que ça me fait également énormément de bien. Et puis, en réalité aussi, à chaque fois que je partage ou que j'enseigne,
Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que je m'enseigne aussi et que le matin, quand je me réveille, j'ai l'impression d'avoir écouté un enseignement et que quelqu'un m'a parlé et que quelqu'un m'a fait du bien. Ça peut être assez surprenant, mais là, j'avais rien préparé et je vous ai partagé comme c'est venu et puis je me laisse inspirer par la foi, par l'Esprit de Dieu. Eh bien, Dieu remplit la bouche. Il a dit qu'il remplirait la bouche, donc il remplit la bouche et il nous enseigne au travers de nos bouches, c'est une réalité. Et on n'a pas toujours besoin de préméditer ce qu'on a à dire, mais en marchant par la foi, Dieu nous nourrit et il le fait au travers de ce corps. Il peut diriger tes mains, il peut diriger tes bras, il peut diriger ton cœur, il peut diriger tes mots, tes phrases et nous nourrir, et même nourrir celui qui va prêcher, quoi, c'est que celui qui va enseigner. Moi, ça m'est arrivé souvent et ça m'arrive encore. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Je te bénis, mon frère Ruben, de la parole révélée. Merci à toi, cher frère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse chacun. Père éternel, merci pour le bien de ta parole. Merci pour les effets de ta parole sur nos âmes, sur nos cœurs, sur nos corps. Ta parole est un médicament, Père. Que ton nom soit béni, Dieu merveilleux. Merci de tes consolations, de tes trésors, de ce que ça nous détend et de ce que nous nous réjouissons ensemble. Merci pour ton amour. Merci pour cette famille, Père. Merci pour cette force et merci pour ton Saint-Esprit sans lequel, mon Dieu, tout serait vain. Que ton nom soit béni, Dieu Tout-Puissant, dans le nom merveilleux de Jésus, je t'ai prié. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Voilà, donc chers frères et sœurs, eh bien, je vous dis à très très bientôt, que Dieu vous bénisse, et puis n'hésitez pas à partager si vous avez apprécié, et puis voilà, je vous dis à très très bientôt, au revoir. Thank you.